C'est moins bien. C'est une bonne nouvelle aujourd'hui. Les bénévoles du Secours Populaire d'Elbeuf ont reçu un don. Des plaques de plâtre pour aménager leur nouveau local. C'est une entreprise de la région sur la zone industrielle qui nous en a fait cadeau. Je les remercie bien sûr parce que de toute façon on est à la recherche. En plus on a été étonnés d'en avoir, mais les bonnes volontés ça existe encore dans le monde actuel. Normal, vous faites quoi dans la vie ? En ce moment, je suis chômeur. Un ancien de Petroplus. Donc moi, en gros, j'ai la chance quand même dans mon malheur d'avoir 60 ans, donc je m'en tire très bien. L'ancien bureau du Secours Populaire à Elbeuf faisait seulement 16 mètres carrés. Le nouveau, loué à prix modique par Habitat 76, fait 150 mètres carrés et il a une cave. Les bénévoles vont pouvoir améliorer l'accueil et proposer l'aide alimentaire dans de bonnes conditions. Nous touchons maintenant également un public qu'on touchait peu ici. Ce sont des travailleurs pauvres, des gens qui ont un travail, mais qui ne s'en sortent pas et qui ont besoin d'un petit coup de pouce de temps en temps. On reçoit donc des jeunes couples avec souvent des enfants en bas âge. On reçoit aussi quelques étudiants. Le Secours Populaire d'Elbeuf aurait besoin d'un don de châssis de fenêtres, de revêtements de sol, qui sait ? Il doit ouvrir à sa nouvelle adresse mi-septembre.